Salut, salut les amis, c'est Imena. Vous venez d'acheter du stockage sur iCloud, que ce soit 50Go, 200Go ou 2Tera, et vous aimerez bien pouvoir transférer toutes les photos de votre iPhone ou autre appareil Apple uniquement sur ce stockage iCloud, afin de libérer de la place sur votre appareil. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Attention, avant de regarder cette vidéo, merci de ne pas faire les actions en même temps que moi et de bien attendre la fin de cette vidéo avant de vous lancer, car cela pourrait être catastrophique et vous pourriez perdre toutes vos photos. Bon, déjà il faut comprendre la différence entre iCloud et iCloud Drive. Pour cela, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos qui s'appelle iCloud Drive, c'est quoi ? Le lien est bien sûr dans la description. Ensuite, il faut comprendre aussi une deuxième chose, c'est que par défaut, si vous avez activé photo iCloud dans les paramètres de iCloud, eh bien toutes vos photos sont déjà copiées dans iCloud. Une sorte de sauvegarde, de synchronisation. Mais bien sûr, si vous supprimez une photo de votre appareil, elle sera aussi supprimée de iCloud. Et donc, vous voudriez que vos photos ne soient plus sur votre appareil, mais vraiment que sur iCloud, afin bien sûr de libérer de la place dans votre appareil pour faire de nouvelles photos ou installer de nouvelles applications. Pour cela, il y a deux solutions. Soit vous envoyez vos photos sur iCloud Drive, c'est ce qu'on va voir juste après dans cette vidéo, soit utilisez Google Photos. Dans ce cas-là, vos photos ne seront plus sur votre appareil une fois supprimées, ni dans iCloud, ni dans iCloud Drive, mais que sur Google Photos, qui lui est gratuit, mais on va pas détailler ça ici, j'en ai fait plusieurs vidéos, je vous laisse aller voir le lien d'une playlist qui est dans le descriptif, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur ce sujet. Nous donc, on va s'intéresser au fait de copier toutes vos photos sur iCloud Drive, puisque vous venez d'acheter du stockage certainement, et que vous avez donc la place de pouvoir mettre toutes vos photos dessus. Oui, parce que je le rappelle, si vous n'avez que la version gratuite de iCloud ou iCloud Drive, eh bien vous n'aurez que 5Go de stockage offert par Apple et ça va très vite saturer votre stockage, surtout avec des photos et des vidéos. Donc pour cela, vous allez dans votre application photo, vous sélectionnez quelques photos ou toutes vos photos. Faites quand même le test avec quelques photos pour l'instant, comme je vais le faire ici. Et après, vous sélectionnerez tout d'un coup si vous êtes sûr de vous. Ensuite, vous faites partager les photos et vous faites enregistrer dans fichier. Si vous avez regardé la vidéo sur iCloud Drive, c'est quoi ? Vous aurez compris que l'application fichier, c'est l'endroit où vous allez retrouver tous vos dossiers de iCloud Drive. Donc, vous sélectionnez bien ici iCloud Drive. Ensuite, vous créez un dossier que nous on va appeler photo, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et vous faites enregistrer. Et donc, toutes les photos qui sont dans votre iPhone, dans l'application photo, vont se mettre dans le dossier que vous venez de créer. Si vous avez énormément de photos, eh bien, ça prendra pas mal de temps. Donc, préférez d'être en Wi-Fi chez vous, parce que souvent, avec votre forfait 4G, ça peut pomper pas mal de data. Ensuite, donc, en allant dans l'application fichier, puis sur iCloud Drive, et ensuite dans le dossier que vous venez de créer, donc photo ici, vous retrouvez toutes vos photos. Elles sont beaucoup plus petites que dans votre pellicule et votre application photo, mais quand vous les ouvrez, elles sont quand même en grand, et vous pouvez les slider pour les passer. Libre à vous ensuite de sélectionner les photos que vous n'aimez plus dans l'application photo, ou de toutes les supprimer. Je rappelle qu'elles ne sont toujours pas supprimées complètement, car elles vont rester 30 jours dans la corbeille de l'application photo, avant d'être supprimées définitivement bien sûr. Donc, si vous voulez libérer de la place tout de suite et pas attendre 30 jours, eh bien vous descendez dans la corbeille ici, vous appuyez sur sélectionner, puis sur supprimer toutes les photos. À ce moment-là donc, eh bien vous n'aurez plus aucune photo dans votre appareil. Et donc, toutes vos photos seront donc copiées dans l'application fichier, dans le dossier que vous venez de créer. Attendez bien sûr que toutes les photos se soient copiées
dans l'application fichier, donc dans le dossier photo que vous venez de créer, avant de toutes les supprimer de la corbeille de votre application photo, car cela serait dramatique de perdre toutes vos photos. Je vous conseille bien sûr de faire une copie de vos photos dans l'application Google Photos avant de faire toutes ces manipulations. Comme ça, vos photos seront à deux endroits différents, chez Apple dans votre iCloud Drive et chez Google dans l'application Google Photos. Et comme ça, il y aura moins de chances que vous les perdiez. Je vous rappelle au cas où, pour une meilleure compréhension, que iCloud Drive et Google Photos ne stockent pas vos photos à l'intérieur de votre appareil, mais sur les disques durs géants d'Apple ou de Google qui sont dans des champs ou on ne sait pas où, quoi. Donc forcément, pour accéder à vos photos, eh bien, vous aurez besoin d'une connexion Internet, Wi-Fi ou 4G, voire même 5G pour le futur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, car vous n'avez pas compris exactement le fonctionnement entre vos photos iCloud, iCloud Drive et Google Photos, eh bien, je vous invite à regarder la playlist qui s'intitule « Stockage iCloud, photos et saturation ». Il y a plein de vidéos très utiles à l'intérieur qui vous aideront à comprendre comment cela fonctionne. Désolé pour m'avoir un petit peu enroué, j'ai pris un petit peu froid, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir, n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympas ainsi que des coques pour ton iPhone. Si tu veux en savoir plus sur notre boutique, je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail. Si tu préfères t'acheter un truc sur Amazon, on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne. Car eh oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà, voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné, et je te dis à très bientôt.